Donc, alors, le coup de pied, c'est celui que je vais vous montrer. Le coup de pied, enfin, le coup de. Le tekra, pardon, avec le pied. D'accord? Je vous dis, on vise juste là. Il faut le pratiquer, c'est pas évident. Donc, premièrement, je vais venir taper ici. D'accord? Je tape pas ici, hein, je tape ça là. Donc, je me mets pile poil face à l'endroit où je vais taper. Mais étant donné que je vais sauter sur la gauche, à un moment donné, je me mets sur la droite. Ce sera la droite du jacquet, c'est guerrier en face de moi. Et quand j'aurai sauté, je serai pile poil en face. Parce que le maximum de puissance, c'est dans l'axe central. Hein. Donc, je suis face au sac, je me décale un peu. On prend son temps, on est à l'entraînement sur un sac, on prend son temps. Évidemment, en combat, on ne va pas décomposer les gestes aussi lentement. Mais à l'entraînement, on est obligé hein, pour qu'il en reste quelque chose. Je passe au sac, je viens faire une rotation. Pour ça, je vais tendre le bras gauche. Hein. En plus, si l'adversaire est face à moi, il va regarder ma main. Et va penser que je mets un coup de poing. Enfin, son attention va être prise en haut. Et je vais taper en bas. Hop, je plie sur le genou, je plie les deux genoux, je plie un peu sur l'arrière. Évidemment, là, je décompose, mais sinon, hop, on y va direct. Hein. Et puis, en combat, on est là, paf, on y va. Donc, alors, hop, je plie et je viens faire un petit saut. J'envoie mon pied d'abord derrière. Et il va venir redescendre avec la respiration, tout ça. La respiration, c'est très important. On ne peut pas taper fort si on n'a pas les bonnes respirations. Donc, je gonfle mes poumons à fond hein, quand je fais le mouvement. D'abord, je me mets en position. Et après, j'y vais. Et surtout, quand je fais comme ça, je fais. Après, je ferme la bouche pour compresser l'air à l'intérieur. Hein. Si je ferme pas la bouche, l'air il ressort. Donc, je comprime. Un peu comme quand on va cracher. Hein. C'est déjà arrivé de cracher ? Vraiment, mais tu ne peux pas. Tu es une influence sur les jeunes. Mauvaise influence. Donc je suis là. Ah et je sais pas ce que j'ai, pas de puissance. D'habitude, je suis désolé. Bon, on lâche. Attends, je suis un peu trop riche. Ah et je crie quand le pied atteint sa cible. C'est important de crier au moment de l'impact et non pas pendant le trajet du coup. Des fois, les gens ils vont crier pendant le trajet, ils vont faire Aaah! Le cri dure une heure, c'est pas explosif. Faut que ce soit explosif. Donc, bam, sec au moment de l'impact. Donc, un petit peu trop près. Tu sens bien la puissance. Hein. Je suis désolé pour ce manque de puissance, je sais pas ce que j'ai. Hey, tu sens. J'irai pas le prendre celui-là. Celui dans la jambe arrière, sans changer de garde, il est un peu plus dur parce que la jambe est devant. Donc les gens ont tendance à faire ça. Non, ce qu'il ne faut pas faire, parce que c'est téléphoner. Donc pareil, face à l'endroit où je tape, un peu sur la gauche, rotation, je tends bras droit, je plie, j'inspire, je bloque, et je crie quand j'atteins la cible. Et une dernière fois, je tape. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis désolé. Hein. C'est marrant, t'es aussi puissant d'un côté que de l'autre. J'ai pas de... Merci beaucoup. L'impact, ça paraît aussi puissant. J'ai eu la chance d'être opéré du genou droit, et pendant toute cette période où j'avais mal à la jambe droite, j'ai travaillé la jambe gauche. Ah, ça renvoie, la chance hein. que j'ai eue d'être blessé au genou droit, ça m'a permis de travailler ma jambe gauche. C'est pour ça que quand les gens me disent « Ouais, je peux pas venir m'entraîner, j'ai mal au pied », j'ai mis « Ils tressent les poings ». J'ai mal aux deux jambes, j'ai mal au poing, ils tressent les coudes. Il y a toujours une raison de venir. T'as mal partout, fais des assouplissements, fais de la muscu. Fais des déplacements. Ah, ça fait plaisir d'entendre ça. Il y a toujours une. Tu peux pas dire je viens pas aujourd'hui parce que j'ai mal quelque part, c'est impossible. Je me suis opéré du genou droit. Bon, j'avais déjà arrêté ma carrière, donc j'ai pas besoin spécialement de travailler, mais j'ai continué à m'entraîner que de la jambe gauche. Pendant un an, je tapais de la jambe gauche. Elle est devenue plus forte que la droite. C'était quoi comme opération ménisque C'était. J'ai fait les deux d'un coup, ménisque et ligament. Et je déconseille aux gens de faire le ligament parce que c'est une opération tellement intrusive et qui te laisse des séquelles à vie et personne n'a jamais guéri d'une opération au ligament, d'une ligamentoplastie. Tout le monde a des séquelles. C'est impossible de reprendre la compétition après une opération comme ça, alors qu'il est possible de vivre sans un ligament. Si les muscles sont bien... Donc c'est vraiment un truc que je déconseille. J'y ai cru, je pensais que ça allait que j'allais me sentir mieux, mais je regrette, parce que j'ai toujours des petites douleurs résiduelles au niveau du genou. C'est pour ça que j'avais aucune puissance aujourd'hui, donc voilà, je vous prie de m'excuser. Aucune puissance. Oui, tu fracasses le sac. Je suis à 2% de mes capacités là, j'ai honte. Hein. Normalement, j'aurais dû trouver le sac, tu vois, enfin, le mur derrière. Ah, d'accord. Ouais. Mais bon, le sac, toi. Bah, merci à toi. Si tu es plus près, admettons, si tu es à cette distance. Là. Ouais, et je vais taper avec le tibia, mais je te dis que je te montre juste avec le pied. D'accord. Je t'ai dit tout à l'heure. En fait, c'est là que je vais vous montrer. Pas tout montrer non plus. Vous voulez en savoir plus ? Vous voulez en savoir plus ? Vous êtes les bienvenus au club. Ah, il est bon, il est bon, il est bon. Merci. En tout cas, ça envoie avec le pied. Ça marche. Et ouais. Ancre-toi, peut-être. Ouais.
Bon, moi, je frappe pas avec le pied. Je me suis spécialisé sur le tibia. Bah, c'est le même principe. Hein. Je vais reproduire. Alors, en fait, je travaille de deux manières, en fait. Soit je pars avec le petit décalage quand je veux vraiment travailler ma hanche, je cherche la puissance, mais c'est téléphoné. Donc, je suis ici, comme ça, pareil. Je vais décaler, je vais tourner. Ici, j'envoie. Franchement, tu sais combien ça vaut, s'il te plaît ? Péter mon matos. Putain, je pète son matos. Son matos. Donc, je vais me mettre ici, je vais décaler comme ceci. Oui. Quoi ? Bon, je sais pas si vous faites comme ça. Tu tiens le sac ? Ouais, je veux bien. Comme ça, je sens la puissance. Donc, je suis ici, je décale. Voilà. En fait, je suis ici. Pareil. Alors, je pique aux yeux souvent, mais c'est pareil, hein, c'est la main devant. Hein. Oui. Je suis ici. Voilà, même chose. Hein. Et moi, je fais, à la fin, je lâche, comme tu dis. Hein. Voilà, je frappe comme ça, quoi. Voilà. Classique, hein. Tu sens, et après, je l'avais déjà senti dans la jambe, hein. Je le fais des fois où je m'arrête. Je pars d'ici. Ma jambe, je la mets là. Je pars juste quand je suis très près. Tu vois, je suis ici et je dois kicker. Comme sans ça, faire d'appel. Comme ça, oui.